That's all, folks. Gotcha. Gotcha. Hey, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Ah, Tsuru. Donc avant de parler de Tsuru, on va faire Doflamingo. Doflamingo, où est-ce qu'on peut le mettre? Doflamingo, tu peux le mettre que ici. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis de niveau Shichibukai, parce que pour moi, Shichibukai, y a pas un niveau Shichibukai. Tu peux pas mettre tous les Shichibukai dans la même case. Mais Doflamingo, tu peux mettre en quatrième commandant avec ta thune sur le truc, parce que tu as deux choses. Trois choses qui t'indiquent que Doflamingo, il est de cette puissance-là. Comment il est montré à Dressrosa, je veux dire. Donc, quand on va parler des personnages, c'est jusqu'à présent dans l'heure, et après, je pourrais théoriser, par exemple, sur le retour de Doflamingo, il pourrait être son niveau. Donc, Doflamingo, comment il est montré à Dressrosa? Il est au niveau 4e commandant. Pourquoi? Parce que t'as Luffy qui l'éclate en Gear 4, et c'est le même Luffy qui galère avec Cracker, et qui dit explicitement à Cracker, c'est le haki de l'armement le plus dur que j'ai jamais combattu. Donc là, déjà, au niveau de l'haki de l'armement, t'as Doflamingo qui est inférieur à Cracker. D'autre part, t'as ce que dit Kaido. Kaido, il qualifie Doflamingo de faible. C'est-à-dire, quand il apprend la défaite de Doflamingo à Dressrosa, il lui dit, il est en train de pleurer, et il dit « Pourquoi tu es aussi faible, Doflamingo ?» Et quand Jack se fait éclater devant lui par Inuarashi et Nekomamushi, il lui dit « C'est pas toi qui es faible, c'est ces deux-là qui sont forts. » Donc, il est inférieur à Jack et inférieur à Cracker. Le fait qu'il ait une aura assez conséquente sur Dressrosa, c'est tout à fait normal. Il a le flow, c'est lui l'antagoniste de l'article, de l'arc. Mais tu peux pas le mettre, quand il est à Dressrosa, tu peux pas le mettre à plus que ça. Par contre, si jamais il revient, tu peux facilement espérer qu'il revienne à ce niveau, ou même à un niveau d'un amiral. Les personnages évoluent dans One Piece. C'est montré par Crocodile, c'est montré par d'autres persos, mais les persos, ils évoluent, ils restent pas au même niveau. Et donc, Doflamingo, invariablement, il va aussi, lui aussi, évoluer. Donc, si jamais il est libéré d'Impel Down, il va revenir en un minimum YC1. Il a l'acquis des rois, il a etc., etc. Donc, il peut revenir très très fort. Par contre, celui de Dressrosa, tu peux pas le mettre plus que YC4 sans tomber dans le fanboyisme. Donc, il a un fruit qui lui permet de faire etc., etc. Mais non. Là, on parle de puissance. On parle de puissance, le acquis prime sur les fruits du démon. Tsuru. Tsuru vieille. Bon, Tsuru, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était mise sur un pied d'égalité avec Sengoku Garp quand ils étaient très jeunes. C'est-à-dire quand ils étaient mode adolescent. Donc, en vrai, Tsuru, tu peux pas savoir quel niveau elle a. On sait, par contre, qu'elle poursuivait Doflamingo. Donc, normalement, elle devrait pouvoir être capable de battre Doflamingo ou à son niveau. Donc, on peut la mettre aussi sur un niveau YC4. Donc elle est normalement vice-amiral, donc deux paliers au plus de vice-amiral. On est gentil. Qu'est-ce que tu veux? On est gentil. Donc, Urouge. Donc Urouge, facilement tu peux le mettre ici. Il a battu Snack sur un combat serré. Il s'est fait rétamer par Cracker juste après le combat. Donc il n'avait pas récupéré de son combat avec Snack avant le combat avec Cracker. Donc le mettre en troisième commandant, c'est pas très délirant. C'est plutôt, on va dire, cohérent avec ce qu'on a dans l'heure. On a Trébol. Donc Trébol, normalement, Vergo, c'est le plus puissant des vice-capitaines de Doflamingo. Donc Trébol, tu le mets ici, avec Pika et le reste diamanté, etc. Tu peux les mettre au niveau vice-amiral. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Law. Donc Law, au niveau l'évolution de Law. Donc Law, il est ici. À Pink Hazard, il est ici. Il bat facilement Smoker.
peux même dire que il est bon là vers gauche. Je pense qu'on va le descendre en vrai et on va garder le vice-amiral. Parce que l'eau, il descend vers gauche assez facilement plutôt sur Dressage, sur Pemkazard. Donc à Pemkazard, il est ici. Il se fait fumer par Doflamingo. Il oppose la résistance, mais il se fait fumer par Doflamingo. Et il évolue, bien sûr, pour atteindre un nouveau niveau. Pourquoi l'eau évolue? Donc là, sur certaines vidéos que j'avais vues, je me rappelle plus qui disait ça, c'était genre la volonté, plutôt le niveau de l'eau, il a beaucoup changé en très peu de temps et c'est pas expliqué dans le manga. Et là, je dis non. Et là, je dis, c'est pour ça que je vous ai dit au début, la volonté et le rêve de la personne, il compte énormément dans sa puissance. Donc, l'eau, il était ici. Donc, son rêve avant, c'était de buter Doflamingo. Donc, il était capé ici, à YC4. Après avoir vaincu Doflamingo avec Luffy, son rêve maintenant, c'est de comprendre la volonté d'aider. Donc, ça implique rassembler les Polygnyphes, aller sur des territoires d'empereurs, etc., etc. Donc, invariablement, le niveau de Haki, il va grandir. Et là, je le mets ici. Donc, pourquoi c'est un amiral? Parce que tu as un combat avec un Yonko et il se défend bien. Donc, il va pouvoir blesser le Yonko, lui faire des égratignures, mais invariablement, il va se faire péter la rondelle par Barbe Noire. Donc l'eau, au niveau amiral, c'est du solide. Si vous voulez jouer un jeu, est-ce que vous pensez que King, que Queen, je sais pas, moi, c'est les commandants, est-ce qu'ils peuvent battre l'eau ou lui donner des problèmes durant un combat? Non, je pense pas. Donc là, il y a beaucoup de personnages random. Ah, Rayleigh. Ah, Rayleigh. Donc là, on va avoir des problèmes. Donc Rayleigh, tout le monde à peu près le met au niveau Yonko. Sans problème, tu peux dire Rayleigh niveau Yonko, personne ne va te contredire, très peu de gens vont te contredire, dont moi. Donc pour moi, Rayleigh, il doit encore nous montrer des trucs pour dire qu'il est au niveau Yonko. Pourquoi? Parce que tu as l'échange de coups avec Kizaru. Donc moi, sur Shabondi, je vois que Rayleigh vieux, il n'est pas plus fort que Kizaru. C'est factuel. Donc, tu peux pas mettre, par exemple, Rayleigh ici, intermédiaire, je sais pas quoi. Là, c'est niveau intermédiaire. Entre ça et ça, c'est niveau intermédiaire pour les connaisseurs. Donc, Rayleigh, si tu le mets ici, donc supérieur à un amiral, Kizaru, il va être là. Donc, déjà, on va mettre Kizaru. Comme ça, on a une ref. Kizaru. OK. Kizaru, on va le mettre là. Donc, si on met Rayleigh là, ça, c'est cohérent. Parce que peut battre Kizaru, mais il est plus ou moins du même niveau. Et en prime, tu vas le mettre ici. Il était plus puissant que quand il était vieux. Rayleigh, il est ni malade, ni mourant. C'est pas comme Barbe Noire, comme Barbe Blanche. Rayleigh, il est enfant. Et le souci que moi j'ai avec Rayleigh niveau Yonko, c'est le combat avec Barbe Blanche. Donc on a l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage de Roger sur 3 jours. Tu as Oden qui est occupé avec Scopper Gaban. Et si concrètement tu as un niveau Yonko sur le territoire, donc, normalement il devrait détruire le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Mais tu vois que les petits jeunes là, ils arrivent à tenir et que Rayleigh, in fine, il y en a qui disent qu'il a pris une pause, il a déposé ses RTT, il a pris un congé durant cette bataille. Moi, je dis peut-être que non. Et peut-être qu'il est juste au-dessus d'un amiral. Pas vraiment au niveau d'un niveau Yonko. Parce que pour moi, le souci avec Rayleigh, c'est quoi son rêve? Parce qu'il a l'Haki des Rois, etc., etc. Je veux bien. Il a suivi Roger dans son aventure. Et son rêve n'est pas explicite. C'est-à-dire, quel est le rêve de Rayleigh? On ne sait pas. Donc on ne peut pas jauger sa volonté. Et de ce qu'on voit dans le manga, normalement, il devrait être ici, mais il a potentiellement un niveau Yonko. Pourquoi je dis que potentiellement il a un niveau Yonko? Parce qu'il a une grosse bouche. Parce que quand il croise Barbe Blanche, Barbe Noire, sur les derniers chapitres là, il avoue
qui ne peut pas le battre actuellement, mais qu'il aurait pu faire quelque chose si elle était un peu plus jeune. Donc, et peut-être là, par rapport à Riley, tu peux le mettre ici. Et ça, on parle de Riley Prime. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement, mais pour moi, la Riley doit être ici. Prime, je sais pas. Et on peut le mettre ici, juste parce que il a dit que il pouvait plus ou moins poser des problèmes à Barbe Noire s'il était plus jeune. Mais réellement, on ne sait pas. Et réellement, ce qu'il y a dans le manga jusqu'à présent, c'est que c'est peu probable. Parce que on aurait sinon un problème pour l'égalité des deux équipages. Bon, à chaque fois que je dis ça, j'ai des mecs qui me disent « Oh là là, mais non, mais Riley faisait semblant, mais l'équipage de Barbe Blanche, ils se sont pas bagarrés sérieusement avec l'équipage de... Hein, et ils se sont donné des cadeaux comme à Noël, et ta gueule. Et ta gueule, parce que c'est un combat entre pirates, il n'y a pas de jeu fait semblant, il n'y a pas de rien du tout. Ils étaient en train de s'entretuer. Quand leurs chefs ont décidé d'arrêter la bagarre, là, ils peuvent redevenir chill. Mais durant la bataille, il n'y a pas de... Ça se tranche, ça se bouscule, ça se met des patates en acquis des rois au max dans la gueule. Donc, ils ne faisaient pas semblant, les mecs. Donc, c'est ça qui me pose problème avec le niveau Yonko de Riley. Donc, on continue. On a monsieur l'amiral en chef, l'amiral, le terrible Colonel Smoker. Donc, le terrible Colonel Smoker, c'est un niveau vice-amiral. Tu peux pas faire plus ça. Attends. Shiryu de la pluie. Attends, j'ai vu Shiryu quelque part. Shiryu de la pluie. Donc avant de faire Shiryu, on va faire Mihawk. Bon, Mihawk. Mihawk. Sur toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai dit que niveau de Mihawk, c'est un intervalle. Tu peux pas le mettre à moins qu'un commandant. Il est minimum au niveau d'un amiral. Il dit ça, c'est avant chapitre 1058, etc. Il est minimum un amiral, mais il peut pas grimper jusqu'à Yonko. Donc la volonté de Mihawk, elle est déjà atteinte. C'est d'être le meilleur épéiste de tous les temps, d'être le meilleur épéiste au monde. L'objectif, il est atteint et là, il stagne. Donc il n'est pas au même degré de volonté que Barbe Blanche ou Roger. Est-ce qu'il est au niveau d'un amiral? Donc, ce qui est précisé sur le dernier chapitre, c'est qu'il a une prime assez conséquente. Donc là, les anti-Mihawk, quand ils ont vu la prime, ils ont commencé à pleurer. Oh non, la prime, c'est la dangerosité. C'est... Non, de vos gueules. Parce que même si tu enlèves le facteur dangerosité le plus grand qu'on ait sur One Piece, c'est celui de Robin. Robin, actuellement, il est à 900 millions de berries sur sa prime. Elle a vaincu Black Maria. Black Maria, elle était à 500 millions de berries. Donc si elle récupère la prime de Black Maria, c'est-à-dire pour la puissance, et que tu lui mets 400 pour sa dangerosité, alors que la meuf, elle lit des poneglyphes, elle sait l'emplacement des armes antiques, etc. Donc niveau dangerosité, c'est on va détruire le monde. Et là, c'est 400 millions pour sa dangerosité. Ce qui représente 40% de sa prime. Donc si tu prends 40% de la prime de Mihawk, c'est 2 milliards et quelques. Donc déjà, elle est au niveau d'un Barbe Noire à ses débuts. D'accord? Donc tu ne peux pas être amiral, tu vas le mettre ici, amiral en chef. D'autre part, je dis qu'il faut différencier deux choses. Le titre Yonko et le niveau de Yonko. Est-ce que Mihawk peut blesser Kaido, bien évidemment, peut le blesser. Du moment que Zoro a pu trancher Kaido, donc, il peut blesser Kaido. Le niveau amiral en chef, on va le voir par la suite, c'est un niveau qui est assez élevé. C'est un niveau qui peut donner un combat très serré à un Yonko, mais qui ne peut pas le battre. Est-ce qu'on n'a pas tous cette impression avec Mihawk? Mais, on a au chapitre 1058, Mihawk qui refuse le titre de Yonko. C'est-à-dire que Crocodile lui dit clairement, bon, on va buter le machin là, Baggy.
Et après, tu vas recevoir ton titre. Et il lui dit, non, moi, je ne veux pas être Yonko. Personnage de Mihawk, je l'ai dit sur plusieurs vidéos, c'est quelqu'un qui est dans la solitude du puissant. C'est-à-dire qu'il s'est perfectionné sur son art depuis qu'il est chiard. Et là, il a atteint un sommet qu'il peut plus, il peut plus que regarder en bas, dans les duels à l'épée. Donc, son rêve, c'est de trouver quelqu'un pour le défier à l'épée. Donc, il ne va pas aller sur, sur les Yonko. Les Yonko, c'est d'autres rêves. Tu as Kaido qui veut faire une guerre qui va englober tout le monde. Tu as Big Mom qui veut créer le pays parfait. Pour moi, c'est des rêves qui sont, c'est-à-dire en termes de haki, qui sont supérieurs en termes de volonté à celui d'être le plus puissant. Ça, c'est c'est un rêve qui est égoïste, qui n'implique que toi. Contrairement à Zoro, où ça implique deux personnes, c'est-à-dire lui-même et Kuina, là, pour Mihawk, il se bat seulement pour sa gueule. C'est ça, sa faiblesse. Est-ce qu'on peut le mettre ici, à côté de Rayleigh? Oui. Oui. Sans aucun souci, on peut le mettre sur un Yonko, point d'interrogation. Il n'a pas encore démontré quelque chose digne d'un Yonko, mais les données que tu as maintenant, les gens qui disent qu'il est au niveau Yonko, tu ne peux pas leur dire non. Après, moi, je ne suis pas un aspect du niveau Yonko. Moi, ma vision, c'est ça. C'est les deux, là, ils n'ont pas niveau Yonko, ils sont en amiral en chef. Et peut-être même qu'on va avoir un flashback, parce que moi, je me demande toujours qui avait le titre de meilleur épéiste au monde avant Mihawk. Normalement, il a dû battre un mec, lui, pour récupérer le titre. Moi, il a une cicatrice au niveau du torse qui ressemble très fortement à la cicatrice Kazoro. Moi, je dis ça, je dis rien. Et Theory Time, peut-être qu'on va avoir un flashback de Mihawk qui se bagarre avec Rayleigh. Autre chose que je voulais dire par rapport à Mihawk, pourquoi je ne peux pas lui donner le niveau Yonko? Parce que je crois, et là, ça va chialer dans les chaumières, là, vous n'allez pas aimer, je pense qu'il va se faire tuer par Shiryu. Et donc Shiryu qui est ici actuellement, normalement, tu peux pas être ici et te faire zigouiller par quelqu'un qui est ici. Quand je dis il va tuer Mihawk, ça ne veut pas dire qu'il va le tuer dans un combat à la loyale 1v1. Non. Pour la construction du récit, pour la construction du combat final de Zoro, il va le tuer avec un coup dans le dos. Et c'est ça qui va énerver Zoro pour casser la gueule à M. Shiryu. Comment il va le tuer d'un coup dans le dos? Ce sera grâce à son éveil. Donc Shiryu, il a le pouvoir de l'invisibilité. Son éveil, ça va être le pouvoir de l'intangibilité. Ça va devenir le vide, le mec. Et quand il va devenir le vide, il ne pourra pas se faire trancher par Mihawk et il profitera de cette situation pour le poignarder par derrière. C'est triste, mais 100% ça va être ça. Donc ce qui va se passer dans quelques années, quand le scénario que je vous ai donné maintenant, il va se passer au poil de cul comme ça, tu vas avoir les mecs qui ont mis Mihawk ici qui vont avoir un problème. Donc lui, normalement, il va monter ici par la suite, et quand tu auras Zoro versus Shiryu, tu pourras mettre Zoro ici à la fin. Mais normalement, c'est ce qui me bloque moi pour le niveau de Mihawk. Mais je comprends totalement que les mecs ils le foutent au niveau Yonko. Rien que la phrase qu'il dit au chapitre 1058, tu peux lui accorder le titre de Yonko sans aucun souci. Donc là, on a Monsieur Sengoku. Sengoku, le frauduleux. Je sais pas pourquoi les mecs, ils l'aiment pas. Donc là, Sengoku, c'est le mec qui a le meilleur sens de stratégie dans tout le pays. Le mec, il a planifié Marineford pour massacrer. Ça aurait été un perfect si Luffy n'était pas venu. Ils auraient tué tout l'équipage de Barbe Blanche sans aucun blessé sur la marine, s'ils avaient suivi le plan de Sengoku. Donc Sengoku, chef des amiraux, donc amiral en chef, il est plus puissant. Et quand on dit Sengoku, bien sûr, maintenant on va devoir parler de Garp. Et là, on va arrêter la vidéo, parce que je commence à faire...